Tout de suite, émission. Bonsoir à tous les habitués de la chaîne de télévision TPT+, et bienvenue à votre émission La Marche vers la Nouvelle Terre, une émission que vous êtes habitué à suivre tous les vendredis à partir de 16h05 sur TPT+. La Marche vers la Nouvelle Terre est cette émission qui vient pour vous apprendre une nouvelle civilisation, qui vient pour vous apporter un plus de ce que vous ne connaissez pas de l'humanité. Nous avons commencé avec un thème la semaine passée. C'était le roi Amenfis Ier Winaïva et les attributs de la nouvelle civilisation. Comme tout royaume, la fraternité Winaïva, qui est aussi un royaume descendu sur la terre, vient avec ses attributs que nous allons d'ailleurs vous présenter. Ici, nous parlerons de la table intelligente, une table totalement différente de toutes les tables que l'humanité ait connues. Et pour plus de détails, nous allons nous tourner du côté de notre frère Serge, qui est juste à mes côtés, qui va commencer à parler de la table intelligente. Frère Serge, à vous la parole. Merci, ma chère Franchi Mingolo, pour la parole que vous me donnez. La fraternité Winaïva, c'est cette église universelle descendue avec une nouvelle civilisation. Mission confiée à Sa Majesté le roi Amenfis Ier afin d'amener le peuple tout entier de l'ancien monde au nouveau monde. Le roi Amenfis Ier est venu avec tout un enseignement solaire et cet enseignement solaire s'accompagne de son application car à la fraternité Winaïva, le roi Amenfis Ier lit la parole à l'acte lorsqu'il reçoit la mission du divin. La mission du Tout-Puissant pour installer son royaume, il lui donne la clé, la maquette et toute la connaissance d'une civilisation. Car lorsque la civilisation descend, nous connaissons tous les différentes orientations d'une civilisation. Il faut avoir une architecture, il faut avoir une religion, il faut avoir une science, il faut avoir un langage. En fait, tout ce que nous connaissons. Et aujourd'hui, la fraternité Winaïva vient vers vous présenter les attributs, les œuvres du roi Amenfis Ier Winaïva, pendant qu'il est resté interné à la maison pendant plus de 23 ans. Il a prié, il a médité, il a matérialisé beaucoup d'œuvres, parmi lesquelles nous avons des fauteuils solaires, nous avons des tables intelligentes, nous avons des meubles. Il y a tout un arsenal artistique à la fraternité Winaïva pour nous dire que lorsque nous parlons que maintenant l'Africain doit prendre son envol, l'Africain doit se développer, les preuves sont là qui permettront à l'Africain de se développer et de devenir indépendant. Et dans les prochains jours, nous n'attendrons pas toujours de l'Europe pour pouvoir avoir notre mobilier, mais l'Afrique va importer par la connaissance descendue avec le roi Amenfis Ier. Et nous vous parlons ce matin, plutôt cet après-midi, de la table intelligente. C'est quoi la table intelligente? C'est une table matérialisée par le roi Amenfis Ier à Vungu, une table solaire qui vous dit comment est-elle disposée. La table intelligente, c'est cette table qui vous dit que tout ne se place pas sur la table, car Dieu, longtemps enseigné dans les églises, est un Dieu d'ordre. Mais comme Dieu est un Dieu d'ordre, comment vivre dans l'ordre si nous sommes appelés fils de Dieu? Et la fraternité Winaïva vous apprend l'ordre. Et cet ordre, nous venons vous l'apporter par le biais de la table intelligente. Sur la table intelligente, on ne dépose pas les cahiers, les bics, les livres pour lire, non. Elle est faite pour le repas spécialement. Et quand vous voyez la table intelligente, vous la verrez à la fin de l'émission. Elle vous dit où est-ce que le chef de la famille s'assied. Où est-ce que la maman s'assoit. Où est-ce que les enfants et les invités s'asseyent. Et quand chacun a pris sa place, autour de la table, autour de l'endroit que vous occupez,
De l'autre, voilà, là, on vous présente les mobiliers. Voilà, la table, elle est là. Elle vous sera présentée en gros plan. Lorsqu'on vous présente le mobilier qui entoure la place du monsieur, vous avez l'endroit où on place la fourchette, la cuillère, le verre, l'assiette. On ne se retourne pas à gauche, à droite quand on est assis. Tout vous est placé sur place. Quand vous mangez, quand vous vous asseyez, vous commencez à manger. Elle est la table intelligente, vous voyez, les chaises sont autour. Il y a la chaise du père, ce qu'on représente. Voilà, c'est la chaise du père. Le père, c'est ça, c'est la chaise de la maman plutôt. Vous avez tout autour de lui. Vous avez des creux sur la table où on pose l'assiette. Des chaises sont là, dans, avec la couleur royale, parce que nous savons tous le rouge, c'est la royauté. Et vous avez derrière la table, vous avez la carte du Congo. La carte veut dire que le Congo, c'est ce pays choisi par Dieu, ou le départ d'une nouvelle civilisation. La carte est là, vous avez des tables, plutôt des chaises autour de vous. Sous la table, il y a des tiroirs dans lesquels on place tout ce qu'il y a. Donc vous avez les assiettes, vous avez les torchons. Vous avez donc tout ce qui accompagne le service traiteur lorsque vous mangez. Et au niveau de la table, voilà, nous avons la carte du Congo qui est présentée. Très bien, on nous présente l'espace, voilà, où on place le verre. Le verre est là, l'assiette au milieu. Et autour, vous avez comme des supports où il y a la cuillère, la fourchette et le couteau. Voilà, les assiettes sont placées là, on vous dispose. Et vous voyez, elles sont placées sur des creux déjà déterminés. Donc, l'assiette ne peut pas bouger à gauche et à droite. Donc, l'assiette garde sa place telle qu'elle est là. Voilà, la table, vous l'avez. Voilà cette beauté architecturale. C'est la nouvelle civilisation. Ce sont les nouvelles tables que les Congolais doivent avoir désormais. Pas seulement les Congolais. L'Afrique, le monde entier. Et ces tables-là, nous allons les importer. Parce que Dieu, il est un Dieu d'ordre. Nous devons vivre dans l'ordre. Le roi a matérialisé beaucoup des meubles. Le roi a matérialisé beaucoup d'œuvres solaires à la Fatente Winaïva. Et quand vous arrivez, mes très chers téléspectateurs, je pense que vous serez ravis et les yeux seront surpris de constater cette beauté architecturale que le roi a amenée, cette nouvelle civilisation qui va nous aider à vivre dans l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Jusqu'à présent, les humains vivent dans le grand désordre et même les grands hommes spirituels vivent dans le grand désordre. Et pour que nous puissions accéder à la connaissance spirituelle, pour que nous accédions à la vraie connaissance, à la vraie religion, à la religion du Dieu le Père, nous devons vivre dans l'ordre. Et cet ordre, vous l'avez à la Fraternité Winaïva. La table intelligente en est la preuve matérielle de la façon dont nous devons manger dans l'ordre dans nos maisons respectives. Voilà, ma très chère franchie, ce que nous parlons d'emblée de la table intelligente, car il y en a plein de meubles que nous présenterons à l'humanité tout entière pour qu'elle comprenne que Dieu a réellement choisi le Congo pour abriter son royaume. Et le Fils de Dieu est là, c'est Wilfried Mboko Winaïva, appelé roi Amenfis Ier. Merci frère Serge pour votre bel exposé sur la table intelligente, une nouvelle table qui est d'ailleurs la table solaire. Nous allons maintenant nous tourner du côté de notre frère Alain qui va également parler de la table intelligente. Matondo kibusi Francis Mingolo na kinzonzi ya inge mekupesa na munu. Bilumbu mekuluta betu kuzonzi laka yina kile biografi ya tatantinu. Amen fese premier. Kasi betu kuzonza kape. Tangu yina yani meko manisa yina kuvandaka mwangu yina nzambi kukulumunaka na mantwale ya yandi yandi kuyidikaka pe babima yina ke kutwalama na yina kukulumukaka to nzaza kasi na kati ya babima nyosu nebete kuzonza kati tatantinu kuyidikaka yina kele lutangu ya ntangu lutangu ya bilungu to ya bangonda yani kuyidikaka ba bivuandu yani kuyidikaka mpe yina betike na kuzonzela bubu yai meza ya mayela bubu yai betike kuzonzela yina kele meza ya mayela yina tatantinu meku vanga yani meku zonza ti betu fana kuyidika betu fana kutarila yina kele mpolo mpe mavanga na kuzonza kati nzambi kukurumukaka kupesaka yandi lenda na luve ya kusa kutunga kimfumu ya mazulu na ntoto kuna mpe babima yina nzambi kulongzaka na yandi yandi zaba kuvanga samu na kulagisa na inza nyoso ti nzambi kena kati ya yandi
Nikuna, yanime kutunga, yina betikela kuzonza, tiba, bivuandu to meza ya mayela. Kala bende kutela, meza yina ya mayela, ya kele kisika ni kisika. Yina ti, ngelenda kukwiza veti, na meza yina, ngekusa kufana, ngeme kunata babuku, ngeme kunata yina kele bisonoko, ngeme kunata yina kele to, to kartabli yange, mena meza yina ya mayela, kisika nyonso kele na yina betu kele na kuzonza kisika ya kima ni kima kisika inabame kutula ndonga yafana kufanda ndonga kisika inabame nifana kutula lutu to kiyer yafana kufanda kiyer kisika inabame nifana kutula furshet yafana kufanda furshet kisika inabame nifana kutula inabame kena kuzonza mele fo mele kufanda kuna ni kuna tatantino meku vanga inabame kena kuzonza meza ya mayela Yenza nyoso, beto ba mkongole ina nzambi meko salila, bweso na kutalaka ti, na kukurumukaka, na kutala ti, yane meko kukurumukaka imeni na mwale beti ya Kongo, na kusolaka mwana yane tino, amene fisa premier, na hina meko pesa lenda, na mayela, ya kufanga babi mayela, bubu yai. Beto wa mkongole, beto kundimeno, beto kukuizeno, na kubuabana na kuzaba ti, nzambi mekukulumuka kena kuzinga na toto ya mkongo. Samu ti, babima yai, yani kisodo ya maboko ya, ki, ya mabaya, yani kulongo kaka ve, mekasi na ntangu yai, benigila kutala babima, yanigila kufanga, ya kila babima yina ya kuyitukua, kana nge kutala yao na mbote mbote ngege kuzonza ti, Muntu yai kere muntu ya bonso bonso ve. Muntu yai meku katuka na mazulu meku kuiza na hina mitikila kuzonza civilizasyo ya malumalu. Yani meku kusa kufkanga mbandu ya ntama na kukotisa bitu na mbandu ya malumalu. E kuna mbandu ya malumalu babisalulu nyoso fana kufanda ya malumalu. Ni hina kena kuzonza na bitu meza kisika ya kudia. Samu tia kele kipiki mpive bitu fana kudia na ludedodum. Na ludedo monyoso ni kuna nani mkuna tina bito meza ya mayela kisika nyoso ni bitina fana kutula kima kima ina kena kisika ya yao na meza ina ni kuna bitika na kuzonza ti na mbandu yai ba mambu nyoso ni bitika na kuzinga na ntangu yai ya kila ba mambu ina kena kusala ti ludedomo kufane na ntoto yae samutini nzambi na metika na kusambila yani kile nzambi ya ludedomo yani kile nzambi ina meku kulumula wa mambu ina nyonsu ya mboto samutini luzingu ya mwana mwana beto ba mkongole mbwesu na metika kutambula nzambi kutalana beto ya beto kulakasana inza nyonsu betika kutekisa ba meza betika kutekisa bivuandulu betika kutekisa mafoteo yae na inza nyonsu tala mama Francis Mingolo yina mwene na kuzonza na nge na mkoto solo na yina kina kutarila bima yina meku natuswa bima yina meku kulumuka na yina tata nchini meku kuiza na yao samu na yinza nyosu. Merci frère Alain pour votre prise de parole. À présent, nous donnons la parole au frère Gray Tiba qui va également parler de l'arche de la table intelligente en langue anglaise. Thank you so much, my beloved sister Francis Mingolo, for once more for the speech given. Dear viewers, my beloved brothers and sisters from Pointe-Noire, Brazzaville, everywhere in Congo, all around the world, Americas, Asia, Europe, and everywhere. Good evening and welcome back to our special emission, which is focused on working towards the new land on TPT TV channel Live Pointe-Noire. Dear viewers, last Friday we were talking about the King Amenfis Premier Gunaiva with the attribute of the new civilization brought by the messenger of Yahweh. But today we are going to focus on the smart eating table that the world has never seen before. Dear viewers, that is the moment that I've taught you that the King Amenfis Premier Gunaiva doesn't come alone. When God has given him the mission to set up the kingdom of God on the earth, exactly in the Republic of Congo, you know, he has come with the new heavenly attribute that the world has never seen. With the ark of God, and the ark of God peace has brought what we called the new attribute of the new civilization.
and the smart table, eating table that you are listening, dear viewers, is an incredible table that the world has never made. This, by definition, that you are going to know, by definition, a smart eating table is this incredible table made by the King Amenfis Premier Gwinaiva, which aim only for eating, not for putting documents, putting pens, or everything else. If you want to sit down on this around this table, you need to just focus on eating. The chair contains contains six royal chairs, eight accessories, which is surrounding the magic drawers where you can find all tables instruments, such as a plate, a spoon, a fork. You got the knife. You also have the bottle of water and the glass of water. No time to stand up when you are around the table, the smart eating tables. You need to eat correctly with the peace, dignity, and the authorities. Dear viewers, the area of this table is surrounded by the empty spaces. These spaces allow to show you what kind of instruments of the table that you are going to use. And then you are not obliged to be stand, because inside that table you do have what we call the drawers, and each chair has got the drawers. It is the royal's tables made in the Republic of Congo by the King Amenfis Premier. This is not the moment for everyone to sleep, and time to wake up is over. This is the time for all the church of the world to be in touch, to be together with Fraternity Gwinaiva, to come to set up the kingdom of God, because the time of the empty talk, the empty preaching is over. This is certainly, dear viewers, the time for the actions. To those who need to see the smart eating tables, it is located in Bungu Hotel, precisely in Pointe-Noire. You can talk, for those who are living in Pointe-Noire, you can go to Bungu Hotel. You stop at Pechana bus stop. You take the street, Bungu Buti Street, please, number 22. This is where you are going to find the smart eating table. This is the new moment. The new technology has just come in the Republic of Congo. We are not keep on importing merchandise, but this is the time for Africa, the time for the Republic of Congo to export what we are making in our countries. And God has chosen these countries to set up the kingdom of God with the messenger of God, the King Amenfis Premier Gwinaiva. Dear viewers, to those who need to see the smart eating tables, which the world has never seen before, it is located in the Republic of Congo, made by the King Amenfis Premier. And then, to those who need to order the orders, you can join us, or you can make your orders on YouTube or on Facebook, please, or by using our email address, archgwinaiva8@gmail.com. You can also call us by using the WhatsApp, +200 42 06 749 9583, or by calling our customer service, 0242 06 554 8060. It is a pleasure for the Congolese people to receive this gift, dear viewers. It is belong these smart tables. Everyone in Congo will be able to buy it. It is not very expensive. And we need everyone to come to see the magic table that the King Amenfis Premier has made. This is just the beginning, and good things are coming, because he has brought the armchair, the new heavenly tabernacle came down out of the heaven here in the Republic of Congo. Thank you so much for watching us. God bless you, dear viewers, and let's keep on going together. We build Africa. Thank you so much.
Merci Frère Gray pour votre intervention. Nous remercions de façon générale tous ceux qui ont intervenu. Nous parlons de la table intelligente. Chers téléspectateurs, retenez ce soir que le roi Amenfis Ier Winaïva a apporté plusieurs œuvres qui sont venues là pour révolutionner le monde. Aujourd'hui, nous avons parlé de la table intelligente, mais retenez simplement qu'il y a plusieurs œuvres qui sont là pour l'humanité, qui sont là pour venir changer la vie des humains sur la Terre. C'est ainsi donc que nous vous présenterons les prochaines œuvres solaires telles que les garde-linges, l'Arche de l'Éternel qui est d'ailleurs une œuvre solaire également, tout ce qui reflète à la menuiserie. Nous vous remercions infiniment, vous qui avez suivi l'intervention des frères de la fraternité. À présent, nous allons situer et donner les coordonnées de la fraternité Winaïva. La fraternité Winaïva est située à Pointe-Noire, au quartier Vungu, à Repeshana, 22 rue Mvuti. Nous répondons aux numéros qui sont affichés sous le bas de vos écrans, le 06 554 80 60. 06 554 80 60. Également au 05 549 00 63. 05 549 00 63, précédé du code 242. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Roi Amenfis Ier Winaïva, également sur la chaîne YouTube Fraternité Winaïva. Notre compte WhatsApp répond au numéro 06 749 95 83. 06 749 95 83. La fraternité Winaïva tient un culte tous les dimanches à partir de 10h. Et pour tous ceux qui veulent rencontrer le roi Amenfis Ier Winaïva, c'est tous les lundis et vendredis à partir de 15h. Chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Nous remercions encore une fois de plus tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous suivre à travers cette chaîne de télévision TPT+. Nous remercions aussi ceux qui étaient derrière à la régie et à la caméra. Nous vous proposons de nous suivre le prochain vendredi. N'oubliez pas de suivre la rediffusion le dimanche à partir de 14h. Aujourd'hui, à la place de la chanson, nous vous laissons avec la vidéo qui vous montrera la table intelligente en intégralité. Au revoir. Oh,
Thank you.